À la maison, je suis équipé avec une baignoire, mais je ne peux plus l'utiliser. Je souhaiterais installer une douche. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Alors, c'est vrai que pour installer une douche, ce qui va être vraiment très intéressant, c'est les douches à l'italienne, qu'on appelle aussi les douches à siphon de sol. Ça va permettre d'avoir vraiment une salle de bain qui est entièrement à niveau, avec juste une légère pente pour permettre à l'eau de s'évacuer. Donc là, vous gagnerez aussi de la place dans la salle de bain, notamment avec l'utilisation d'un fauteuil qui pourra vraiment tourner dans toute la salle de bain tout en empiétant sur l'espace douche. Ce qui existe aussi, c'est des receveurs extra plats où l'eau peut s'évacuer soit par gravité ou, si besoin, avec une douche à aspiration d'eau. Et la paroi que vous avez ouverte peut s'enlever totalement? Alors là, c'est une paroi à mi-hauteur qui peut permettre d'éviter les éclaboussures et aux aidants d'accéder à la douche, et elle s'ouvre entièrement. D'accord. Après, il y a beaucoup de parois différentes qu'on peut choisir en fonction de la situation. Toute la famille va utiliser cette douche. Est-ce qu'on est obligé de laisser le siège en plein milieu? Alors, pas forcément. Tout dépend des besoins. Là, c'est un siège qui va être relevable. Donc, vous pouvez, vous, en avoir besoin et les autres membres de la famille le laisser en position relevée. Pour vous, ça peut être une solution pour faire un transfert depuis votre fauteuil roulant jusqu'au siège de douche tout en utilisant l'accoudoir. Après, il existe vraiment une multitude de sièges pour la douche. Ça peut être des sièges à poser. Ça peut être également des fauteuils de douche avec lesquels vous arrivez directement jusqu'à la douche sans avoir à faire de transfert dans la salle de bain. Pour mes transferts, j'ai besoin d'une barre murale. Est-ce qu'on peut en installer dans cette douche? Oui, alors là, on en a déjà une ici, par exemple, qui peut vraiment vous aider au moment du transfert. Après, tout dépend vraiment de l'installation de la douche dans votre logement. Donc la place des barres d'appui sera vraiment déterminée en fonction de votre logement et par rapport à la place qui vous aidera le plus. Et pour la sécurité, à quoi faut-il que je pense? Alors, ce qui va être vraiment important dans une salle de bain, c'est le revêtement de sol. C'est une pièce qui va être assez humide, avec des risques de projection d'eau. Donc, c'est important de partir sur un revêtement antidérapant au sol, dans la douche, mais aussi dans le reste de la salle de bain pour éviter le risque de chute.